Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est ravi de vous retrouver pour une nouvelle visite des endroits incontournables de l'été. Vous savez que tous les jours, à partir de 18h, et puis en replay sur pau.fr, sur la chaîne locale.tv, mais également sur les pages Facebook, je n'oublie pas le sion.info, nous vous invitons à une véritable balade estivale avec de bonnes idées qui, aujourd'hui, vont nous permettre d'aller au cœur de la vallée d'Aspe, découvrir ce qu'est le parc de loisirs insolite baptisé Ludopia, avec la directrice de celui-ci, Myriam Ewan, qui est avec nous en liaison. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Merci à vous d'être présente avec nous pour nous parler de ce lieu ô combien atypique, qui est un lieu de vie, un lieu en pleine nature, c'est le moins que l'on puisse dire. Merci d'ailleurs de nous y accueillir, parce que là, derrière vous, vous êtes où là pour faire cette interview en liaison Skype? Alors, je me suis mis dans une de nos petites cabanes qui s'appelle la cabane Hobbit, qui est positionnée devant un chêne, un magnifique chêne qui fait plusieurs dizaines de mètres, qui est très, très beau. Voilà. Alors, ce que je vous propose avant de converser ensemble sur les expériences, les activités à découvrir en famille, à Akous, où vous vous trouvez, c'est de voir quelques images résumées en 30 secondes de ce qu'est l'univers de Ludopia. Regardez. Une véritable invitation alors au jeu, à la découverte de la nature, parce que ça veut dire que tout est compatible lorsqu'on veut s'aérer l'esprit en famille. C'est bien ça le fil rouge? En famille et entre amis, alors l'idée c'est effectivement de partager des, alors, pas que des moments de jeu, mais aussi des moments d'activité un petit peu insolites, soit ben, entre amis, en famille, ou entre adultes aussi, on reçoit aussi des groupes que d'adultes. Ah oui, c'est... Que les adultes aussi, ça veut dire qu'il n'y a pas que les enfants qui peuvent profiter de cet espace. Les adultes entre eux peuvent retrouver leur âme d'enfant. Exactement. C'est un des fils conducteurs de Ludopia, c'est que c'est vraiment c'est intergénérationnel, mais ça peut ne s'adresser qu'aux adultes. Et on a aussi des entreprises qui viennent faire des incentives. À partir du moment où on a un petit peu une âme d'enfant et qu'on aime bien jouer ou se mettre un petit peu en compétition avec les autres sur des jeux un peu atypique, ça peut devenir très, très drôle. Alors justement, dans les jeux, on a vu au travers de la vidéo puis des images qui défilent actuellement, qu'il y a non seulement alors les jeux en bois qui font de plus en plus plaisir, qu'on a de plus en plus plaisir à retrouver, mais il y a également quelques initiatives assez originales, notamment un parcours pieds nus dans le noir, vous avez des jeux sonores, des jeux de lumière. Petit descriptif de quelques-unes de ces activités qui font de Ludopia un lieu assez unique. Alors, je vais peut-être parler des deux nouveautés de cette année. La première, c'est un parcours de vie qui a été fait avec que du bois et des éléments de récupération, par exemple. Donc, on a une vis sans fin qui nous permet de remonter les billes avec une vieille manivelle qu'on a récupérée chez un artisan qui est parti à la retraite. Et donc, on va pouvoir suivre à la force du bras la remontée de la bille. Et puis, prendre plaisir à suivre tout le parcours de la vie entre son sonore, jeux visuels et découvertes. Et la seconde nouveauté, par exemple, cette année, c'est une berlinguette qui est en fait une espèce de tunnel d'élastique qu'il faut traverser sans toucher ces fameux élastiques au risque de faire tinter les cloches qui y sont accrochées. Voilà, donc le but du jeu, c'est alors ne pas faire sonner les clochettes. C'est un peu un pari... difficile et inatteignable. Mais ça veut dire quasiment impossible. Ça veut dire quasiment impossible, c'est ça? Disons que, si on arrive à les faire sonner une ou deux fois, c'est déjà pas mal. D'accord, très bien. Et puis, c'est vrai que quand on conçoit les jeux à Ludopia, puisqu'on les conçoit et on les fabrique nous-mêmes, on essaie toujours de les imaginer pour des enfants, pour des adultes, pour des mamies. On essaie toujours d'imaginer nos activités pour qu'elles plaisent au maximum de personnes et qu'en tout cas, il y ait dans Ludopia des activités qui contentent tout le monde. Alors, quand vous dites « on », c'est qui le « on » qu'il y a derrière Ludopia, justement? Parce qu'on a votre sourire, Myriam, mais si j'ai bien compris, c'est une aventure qui se veut familiale. Alors, c'est vraiment à la fois une aventure familiale et collective, c'est-à-dire qu'au démarrage, Ludopia, c'était deux familles avec une dizaine de personnes dans un CA. En fait, Ludopia, c'est une association
Et au démarrage, Ludopia, enfin au démarrage et encore aujourd'hui, c'est d'abord un projet de développement rural. C'est-à-dire que l'idée, c'est de créer de l'activité et du développement économique en Vallée d'Aspe. Et que pour ce faire, on a décidé de créer cette association qui a créé le parc, mais qui espère mener à bien d'autres projets maintenant. Alors justement, ce parc, comme d'ailleurs tous les lieux qui accueillent du public, cette année, il est soumis à des dispositifs évidemment tout à fait particuliers. Qu'est-ce que vous avez dû mettre en œuvre? De quelle façon est-ce que vous accueillez le public? Est-ce qu'il faut se préinscrire? Est-ce qu'il y a des horaires spéciaux? Expliquez-nous tout. Alors c'est ça, contrairement à d'habitude où Ludopia, ben, on paye une entrée pour toute la journée, on a décidé pour garder la qualité, surtout pour permettre aux gens de ne pas être obligés de porter le masque à l'intérieur du parc, donc pour couper. On a décidé de faire deux créneaux horaires pour Ludopia, donc vous pouvez en fait réserver de 10h à 14h30 ou de 14h30 à 19h et on limite à 80 le nombre de personnes dans le parc, ce qui permet tout à fait de garder ces distances de 1m50, voire plutôt 2, voire plutôt 3 mètres. Voire plutôt plus, voilà. Alors, vous avez aujourd'hui combien d'hectares ou combien d'activités, voyons, s'il fallait résumer un petit peu le volume, parce qu'on a l'impression, en effet, que c'est un appel, allez, je dirais presque immense de la nature, et que tous les jeux sont perdus, mais dans le bon sens du terme, finalement, aux quatre coins de l'espace. C'est ça, ben c'est ça en fait. Hein. Les jeux et les activités sont un peu disséminées tout au long du parc. On a environ une centaine de jeux en bois, mais qu'on fait tourner, qu'on met pas forcément tous ensemble sur le parc. Et on a, je crois, un petit peu plus de 25 parcours sensoriels qui vont effectivement regrouper des labyrinthes, des jeux sonores, des jeux visuels, des choses à manipuler, à toucher ou à entendre. Donc ça nous fait quand même un grand nombre d'activités et les 4 heures qu'on vous offre dans le cadre de ces créneaux sont bien mises à profit et sont bien utilisées. Et sont bien utilisées, j'imagine. Vous parlez des futurs projets là maintenant de l'association parce que Ludopia a combien d'existences d'antériorité maintenant? Alors on a commencé à travailler sur le projet avec l'équipe en 2013, donc ça commence à faire, mais le parc est ouvert depuis 2016. 2016, voilà, c'est le quatrième été, hein, finalement, que vous vivez et partagez. Exactement, c'est ça. Quatrième année, exactement. On a fêté notre anniversaire le 13 juillet. Et dans une année normale, traditionnelle, vous avez l'année dernière, par exemple, accueilli combien de personnes, finalement, au final de tout l'été? Alors, nous, on est ouvert toute l'année, en fait. Ah oui, c'est vrai, toute l'année, c'est vrai. Voilà, on est ouvert toute l'année et on profite même parfois des vacances de février, quand il fait bon et qu'il n'y a pas trop de neige, pour ouvrir, parce que c'est une alternative pour les gens qui sont en vacances. Mais en général, on reçoit, alors, le bilan, c'est entre 13 000 et 11 000 visiteurs par an. C'est énorme, mine de rien, parce qu'on le rappelle encore une fois, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un projet de développement et économique, dans le bon sens du terme, culturel, un lieu de vie, hein, de plus, au cœur de la vallée, parce qu'on est à une époque où, évidemment, les vallées, les montagnes doivent également réinventer leur attractivité, qui ne doit plus être simplement que les journées de descente sur des pentes enneigées, parce que sinon la montagne serait triste, les Pyrénées seraient bien tristes. C'est ça, et puis c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui que la montagne, elle offre des alternatives d'activités qui sont très différentes. Et puis les gens, ils sont à la recherche d'autres choses aussi. Et ils ont aussi besoin qu'on leur propose d'autres choses. Et puis l'aspect atypique de Ludopia surprend et agréablement, c'est-à-dire que les gens, ils sont heureux qu'on leur propose quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire et qui leur permet aussi de perdre les repères de chacun, c'est-à-dire que ben, les ados oublient leur téléphone et leur manette, les grands-parents rejouent avec eux, les parents aussi, c'est-à-dire que ça met un petit peu tout le monde à égalité, ça permet vraiment de partager des choses qui dans la vie courante, on a plus de mal à partager, on va dire. Alors, l'espace ludopia.fr, c'est le site internet sur lequel on peut retrouver à la fois la présentation de toutes ces activités. On parle des Ludopia de 2020, d'ailleurs, un tournoi insolite en équipe qui est proposé parmi les animations estivales. On revient sur toutes les animations de l'année. Vous êtes présente également, je crois, sur Facebook, sur Instagram, bref, sur les réseaux sociaux. Alors pour nous, c'est vrai que c'est des canaux de communication qui sont pratiques parce que c'est des gens qui sont sur le territoire, qui cherchent à s'informer sur le territoire. Et effectivement, notre but, c'est aussi de pouvoir proposer des animations. Donc par exemple, mercredi après-midi, on organise les Ludopiades, qui sont des Olympiades un peu atypiques et insolites, comme on est à même de les proposer, aussi à travers nos jeux, mais aussi à travers
notre imagination débordante. Absolument, mais je le sens bien. Alors, justement, j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais je ne suis pas allé au bout de ma question. La suite, vous l'imaginez comment maintenant avec l'association? Alors, ben, c'est très récent, donc on est en train de travailler, donc il faudra qu'on se revoie dans quelques mois pour que je puisse en reparler. Pour l'instant, on est vraiment dans une phase de réflexion et on est en train justement d'évoquer les différentes possibilités. Les élections, pareil, à la mairie ont eu lieu là, il n'y a pas longtemps, donc on va également travailler avec eux pour voir ce qu'ils ont envie de faire, également avec la communauté de communes, puisque nous, on souhaite vraiment... Voilà, travailler sur le territoire en partenariat avec tous les partenaires qui comptent dans un territoire, aussi bien privé que public. Donc, c'est en réflexion, on va dire. Très bien. Mais écoutez, vous aurez le plaisir, je l'espère, de venir nous en reparler. J'ai un dernier service à vous demander, Myriam, puisque vous êtes, je le sens bien, au cœur d'une petite cabane avec votre téléphone, etc. Est-ce que je peux vous demander, en guise de revoir, finalement, de rester connecté et juste de sortir pour nous offrir quelques vues de l'extérieur, car outre votre beau sourire, on a peut-être envie de voir également l'endroit où vous êtes et autour de ce qui se trouve autour de cette cabane. Allez, ça marche, je vais faire... Alors juste, moi, je vais juste me permettre de rajouter une petite chose. Allez-y. C'est dire aux gens qu'ils peuvent réserver par Internet, mais pas uniquement, également par téléphone, puisque ben voilà, les gens n'ont pas forcément envie d'utiliser Internet pour acheter leurs billets. C'est tout à fait possible à Ludovica. Eh bien, voilà, parfait. Vous pouvez tout à fait le faire. N'hésitez pas, donc, chers amis, et vous aurez les coordonnées donc, sur, cela dit, le site Internet. Vous pourrez réserver par téléphone. Vous aurez ainsi le plaisir de converser avec l'équipe. Merci pour ces quelques vues qui nous donnent un très bel aperçu du beau temps qu'il fait aujourd'hui au cœur des Pyrénées. Rendez-vous donc à Accous, dans ce territoire, allez, hors du temps, là, qui n'a pas de frontières, si ce n'est celle de l'imagination, avec, regardez, la vue sur les pics juste derrière. C'est superbe, superbe, superbe. Merci beaucoup, Myriam, d'avoir été avec nous. Merci à vous et à très bientôt. Et à très bientôt. Voilà un lieu à découvrir pendant les vacances. Comment on aime vous en faire découvrir. Alors, si cette vidéo, d'ailleurs, vous plaît, si vous avez envie de faire connaître Ludopia, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à la fois sur Facebook, sur Instagram, où nous sommes présents. Le point de rendez-vous, c'est le www.lachainelocale.tv. Mais je vous résume tout cela après vous avoir parlé du jeu de l'été qui va vous permettre justement de gagner de très nombreux cadeaux et pourquoi pas des entrées dans différents sites ô combien attendus et réputés de ce territoire. À tout de suite.